Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison hiver et on va maintenant faire le premier championnat, le championnat Buggy Knights, qui est ici. Alors, vous devez remporter le championnat contre des IA en très doués avec des buggy illimités maximum B700. C'est parti. Je vous conseille de prendre la Penhall de Chola de 2011 avec le réglage suivant, Seasonal. Je vous conseille le réglage suivant, B700, avec le code 112-603-325, 112-603-325. C'est parti. Vous prenez deux Chola. Je vous montre qu'on est bloqué en très doué. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat final. Et voilà, on va pas tarder à passer en tête. Nous voici en tête, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Et voilà, nous sommes toujours en tête, mais c'est pas une course facile comme vous voyez. Ça s'est pas mal disputé. Et je vais gagner de justesse d'une tête, donc c'est pas facile, sachez-le. Voilà. Vraiment d'une très courte tête. On va faire la deuxième course maintenant, ici. C'est parti. On prend toujours de Chola. Alors j'ai oublié de vous montrer qu'on était en très doué, mais on est toujours en très doué, hein. C'est la suite du championnat de toute façon. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat. Alors espérons que cette course-ci soit un petit peu plus facile que l'autre, parce que l'autre était vraiment difficile. Bon, et celle-ci est plus facile. Regardez, on est déjà quasiment en tête, au bout de 18%. Elle n'est quand même pas si facile que ça non plus, hein. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat final. Et voilà, nous sommes en tête. Encore une course pas facile, hein, vraiment pas facile du tout. C'est chaud.
Alors, bonne nouvelle, dans la dernière course, on pourra finir premier ou deuxième, voire troisième. Allez, on fait la troisième course. Ici. C'est parti. On prend toujours de Chola. Cette fois-ci, j'oublie pas de vous montrer qu'on est en très doué. Et je vous montre aussi le championnat. Donc on peut finir deuxième, voire troisième. Mais deuxième, ça passe. Donc je vais pas me stresser. Je vise la deuxième place. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée. Je coupe ici, on se retrouve à l'arrivée. Nous sommes quasiment arrivés et toujours en tête. Cette course est un tout petit peu plus facile, mais elle n'est quand même pas si facile que ça. Faites attention de ne pas trop déraper. Et s'il faut, rembobiner, hein, si jamais c'est vraiment nécessaire. Voilà, et c'est la course la plus nette gagnée ici, mais c'est quand même pas facile. Encore un championnat plutôt difficile, mais c'est toujours le cas avec les bazars cross-country. C'est toujours la misère, en fait. Alors j'ai essayé avec plusieurs voitures, plusieurs réglages. Ça passait pas avec l'Alumicraft. J'ai dû prendre la Penhall Chola parce qu'avec l'Alumicraft, l'IA me battait toujours avec la Penhall Chola. Donc j'ai choisi la Penhall Chola. Et voilà, 60 pour moi, 36 pour les autres. Et on reçoit notre récompense, la Pontiac. 2000 crédits, une misère. Et voilà, on a terminé le premier championnat, le championnat Buggy Nights. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.